Bonjour, je m'appelle Léo Coutelec, je suis enseignant-chercheur en philosophie des sciences à l'université Paris-Saclay et je travaille sur les enjeux éthiques de la recherche scientifique contemporaine. Bonjour, je suis Clément Parentini, je suis anthropologue de la santé, chercheur associé au CESP, et donc je travaille dans le domaine de l'anthropologie du soin, de la préparation aux épidémies. Voilà, avec Clément, on va vous présenter notre ouvrage hein, qui sort aux éditions RS et dont le titre est Essayer pour soigner. Des formes de l'expérience éthique, donc un ouvrage qui est issu d'un projet de recherche à ENR, dont le titre était Covid Ethics. Hein. Donc c'est un projet qui avait pour vocation de travailler, identifier, analyser les enjeux éthiques qui sont nés de cette période particulière qui a été la pandémie Covid-19. Et à partir d'une étude que Clément va vous présenter après, une étude ethnographique, on a eu l'idée de travailler le concept d'essai dans un sens générique, c'est-à-dire la notion d'essai, non plus seulement comme on la conçoit habituellement en médecine, dans le domaine de la santé, c'est-à-dire comme des essais qui sont cadrés par des protocoles particuliers, hein, ce qu'on appelle les essais cliniques ou les essais thérapeutiques. L'enquête a fait émerger l'idée d'une conception de l'essai beaucoup plus générique, une conception beaucoup plurielle de l'essai, et avec une hypothèse de base qui était que cette pratique soignante, cet agir soignant de l'essai était un acte de soin à part entière et qui relevait aussi d'une forme d'expérience que l'on a nommée et que l'on a voulu en tout cas, j'allais dire, encadrer comme expérience éthique, en cela que c'est une pratique qui s'est faite par un bornage éthique, à la fois en amont sur l'idée que ce qui a été essayé, par exemple des dispositifs thérapeutiques ou des thérapies, enfin des médicaments particuliers, des molécules particulières, se faisait par un bornage éthique sur le principe de ne pas nuire, hein, qui est un principe éthique fondamental. Mais cette expérience de l'essayer pour soigner dans un contexte de soins est aussi une expérience éthique en cela qu'elle doit faire face à des tensions entre des standards, des protocoles qui sont incomplets. Et des situations bien particulières dans des services hospitaliers où il y avait des tensions et des contraintes bien spécifiques. Voilà, donc c'est en l'absence finalement de thérapeutiques stabilisées, de connaissances stabilisées, dans un contexte d'incertitude, hein, pour ainsi dire, que cette action d'essayer a fait émergence et est devenue en quelque sorte assez omniprésente. Voilà, donc ces hypothèses-là ont été finalement émergées de façon assez inductive d'une enquête qui a été menée par Clément au sein de quatre services hospitaliers. Voilà, donc des réflexions qui se situent à la croisée de nos deux disciplines, finalement, de l'anthropologie et de la philosophie, et qui reposent donc sur une enquête ethnographique, donc réalisée à partir d'entretiens et d'observations en situation. Et une enquête ethnographique dans quatre services hospitaliers, donc les services de maladies infectieuses et les services de réanimation à Marseille et à Paris, où on a mené une enquête donc auprès des personnels soignants, infirmières, aides-soignantes et médecins, mais dans le cadre de cet ouvrage, on s'intéresse particulièrement aux médecins, puisque cette enquête, comme l'a souligné Léo, qui repose sur une approche inductive, elle a révélé quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est que ces médecins, ils ont témoigné de pratiques d'essais dans le cadre de cette pandémie, assez originales, en tout cas peu publicisées d'ordinaire, et donc des pratiques qui relèvent d'essais menés de manière informelle dans les coulisses de ces services, si l'on peut dire, et qui relève plutôt de réajustements constants et de tâtonnements et de certaines formes de bricolage, et donc des pratiques qui nous ont amenés à questionner cette notion d'essai et son corollaire, cette notion d'expérience éthique. Donc c'est une plongée au cœur du soin pour en explorer une de ces dimensions hein, qui est habituellement peu documentée, cette pratique soignante qui consiste finalement à tâtonner, à bricoler, à essayer des choses dans un contexte d'instabilité thérapeutique. Donc c'est une plongée véritablement concrète sur la base d'une étude voilà, de longue durée hein, en plein cœur de la pandémie qui va permettre de documenter cette facette assez originale finalement de la philosophie du soin, de l'anthropologie de la santé, qui est la notion d'essai. Donc, on vous invite à découvrir cette enquête et son analyse dans cet ouvrage.